Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'Alchimie Jam, on est chez Olivier Cuvée. Vous connaissez bien ce spot, c'est la troisième année consécutive que je viens rider ce spot de malade. Donc grand merci encore une fois à Olivier Cuvée de m'inviter, de nous proposer à tous ces riders de rouler une ligne incroyable, plutôt plusieurs lignes incroyables, et ça, ça fait vraiment trop plaisir, c'est des gros jumps. Comme je les aime. C'est des gros sauts de dirt, mais pour ce genre de vélo, aujourd'hui je roule avec mon scrub de chez Rose Bikes en 180 mm de débattement avec la simple T à l'avant. Réglé bien dur béton. Par contre, je reste en mulet 29-27. Il y en a pas mal qui m'ont demandé si je l'avais passé en 26 pouces, mais non, je le reste avec sa configuration d'origine. Bah, le mulet, malgré des sauts comme ça, ça se roule trop bien. Certains moves, la roue avant, elle est là en mode. J'ai pas trop envie. Genre, j'ai essayé un flip X-up hier. L'inertie de la roue m'a un petit peu envoyé sur le décor. Mais sinon, tous les autres tricks, c'est trop de la frappe. C'est un vélo ultra stable. Mais comme il est en taille M. Et que je suis grand, il reste quand même super joueur et donc parfait pour ce terrain là. C'est approximativement la même config que l'an dernier. Olive a juste fait quelques petites retouches. La ligne est vraiment trop bien réglée. Je me rappelle que l'an dernier, pour sauter le dernier step up de la ligne de droite, fallait pédaler. Faut juste se laisser chiller, pousser quand même, parce qu'il faut pas s'endormir devant des gros sauts comme ça. Faut quand même que tu pompes bien les rollers et les compresses pour sauter les jumps. Je vais rouler, mais ça j'ai le temps. Ah, je fais mon youtubeur. Attends, ça fait 3 jours je fais rien, au bout d'un moment faut quand même que je bosse. C'est un peu mon boulot. Mes légumes bio, ils vont pas se payer tout seul. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est du full GoPro, un petit peu de vlogging. Pardonnez-moi, j'ai pas trop filmé. Je voulais juste kiffer, profiter de l'événement parce qu'il y avait vraiment des gros riders à envoyer, ça scène des. Dites-moi si vous aimez bien ce concept et puis voilà, on roule hein. Juste avant ça, je vous rappelle une petite pub pour le VBC, c'est dans 2 semaines. Les amis, juste avant de commencer cette vidéo, je vous le rappelle, si vous voulez rider avec moi, on se retrouve le week-end du 14 et 15 septembre au VBC Bike Park. C'est entre Valence et Grenoble. Tout au long du week-end, on va organiser pas mal d'activités. On va faire plusieurs social rides, un best tricks, un whip off et il y aura plein de cadeaux à gagner. On posera aussi le fameux stand de la boutique en ligne. Et pour s'hydrater et reprendre des forces, vous retrouverez sur place buvette et snack. Donc si tu veux rider avec moi, prends vite ta place sur le site internet du VBC Bike Park. Les places sont limitées. En revanche, pour les personnes qui veulent juste nous voir rouler, c'est totalement gratuit. Sur ce, j'ai vraiment très hâte de vous voir et de shred avec vous. Et maintenant, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Bonsoir, 8h24. Là, je me suis réveillé tôt quand même. C'est qui le qui a piqué ma paille de mon Capri Sun? C'est toi qui a piqué ma paille? C'est Théo? Quel gros. Non, si je fais ça, c'est dégueulasse. Moi, j'aime bien les Capri Sun. Bonjour. Ça va, ça va. Elle est comment la vie à la villa? Ça va, hein? Ça te donne pas envie? Ça me donne grave envie, gros. Ça me rappelle ce que j'ai vomi hier. T'as pas une chaîne secondaire où tu poses que des trucs genre. Impostable. Hier j'ai filmé des trucs genre quand on était à la rivière. Ouais. Mais je peux pas poster ça. Ouais, ma dernière vidéo a été démonétisée. Tu sais pourquoi? J'ai dit crotte de b. C'est la télé? Ouais. C'est M6? Exactement. Oh, trop bien. Maman, je passe à la TT. Tu vois la mécanique de précision? Je te sens perdu là. Mais c'est passé, on vient de se réveiller, mais j'ai l'impression que genre j'ai plus de longueur d'un côté que de l'autre. C'est ouais. Pour ça je pars toujours en 3-6. Ouais. Si, c'est plus à gauche que à droite. On est d'accord? Non, je fais ta gueule. De toute façon, on roule ce soir, gros. Oui, c'est vrai qu'on roule pas tout seul. T'as le temps de te réveiller. J'ai acheté cet outil vraiment sympa. Si vous voulez couper votre cintre. C'est vrai ou tu fais de la promo là? Bah, si, bah, je sais pas, je suis pas bien. It's me Mario. Los Riders, yeah. Je sens un peu trop frais, soit, ce matin. Ouais, j'ai pas bu d'alcool, moi. J'ai bu une 8-6. Non, bien. Tiède. Faut préciser. Non, t'es pas obligé de préciser, on a compris. Hein. T'as quoi sur la tête? J'ai des cheveux. À côté de l'œil. À côté de l'œil? Ouais. Ouais, j'ai une petite cicatrice à la naissance. Ouais. Petit truc, C'est le Vietnam. Le Vietnam, ouais. Chiant. Moi je pense plutôt c'était ici hier. Yo là. Ouais, c'était à peu près là, ouais. Ouais, parfait. On m'a pris un moment, je me suis laissé faire et j'ai vu ma tête arriver contre le sol et je suis fait, oh ouais. Et vraiment, je me suis écrasé quoi. Le public arrive, tu vas devoir assurer Geoffrey. Après, on a Geoffrey qui dort, qui dort correctement dans sa tente. Faut savoir qu'avant, Geoffrey il faisait dodo dans les champs quoi. Il dormait vraiment bien. Voilà, ici ça fait des concours de moto, ça jappe. Ça c'était dangereux hier, hein. La poignée, le garde-boue, la fourche. Enfin, je crois qu'il y a le guidon tordu aussi. Je me souviens que le garde-boue il a fini en claquette sur une meuf. Ah ouais? On a pété l'accélérateur comme des cons hier. Tu fais quoi là? Ah putain, il vient de ch**, plus lui. Elle accélère pas. Bah oui. Oui, elle accélère pas. Bah oui, je t'avais dit qu'elle accélère toute seule. Il y a des cailloux dans la bande de roulement. Ah bah bien ça. Ah bah génial. Oh bah bien.
Bien comme première ligne ça. Je vois pas où est le problème gros. Tu chipotes. T'as les gros. T'as les grosses roues. Gros pneus. Un pierrier mec. Grosse suspension mec. Allez parler de votre théorie les enfants là. Non, il y a une théorie de l'air est plus dense. Et plus le dense. Matin. Le matin. Voilà. Que le soir. J'y croyais pas cette théorie. Et depuis que j'ai roulé à Royal, ouais. J'y crois à mort parce que et on a rien changé sur la piste, on n'a pas d'amis, on n'a rien touché. On a roulé le matin, le char qui passait pas le matin et on avait beau faire ce qu'on voulait et le soir. On se mettait des longs sur le shark. Ouais. Et on a rien changé, genre on est parti à la piscine. En gros, tout ce qu'il faut retenir, si le matin je suis mauvais, c'est pas parce que je viens de me réveiller, c'est parce que l'air est plus dense et c'est difficile de le traverser. Du coup, j'arrête de rouler le matin, comme ça je me réveille tranquille. J'ai dormi avec qui? Ah bah ce soir c'était bestial. Je sais pas, y'a un mec, y'a un ours, il est rentré dans la tente de toit, il m'a fait un boulot de chien, c'était trop bien. En gros on prenait la Suronne, on faisait des tours, on est monté à deux, on s'est cassé la gueule, j'ai niqué ma Suronne, du coup on a arrêté la Suronne. Mais bref, on s'est battu dans l'herbe, c'était cool, c'était marrant. Et puis après on a fini à 2-3 heures, c'était cool aussi ouais. Je suis dans l'hésitation là, est-ce que je mets des affaires pour suer dedans? Tu roules en slip? Ah, bon, voilà, y'a trop la solution. Moi j'aimerais bien rouler à poil une fois dans ma vie. Bah vas-y, là. Ah, bah fais gaffe. Mais là y'a du public, c'est chiant. Ah, chiant, y'a des enfants en plus, relou. Bon après. Bah je voulais essayer. Oh. Fais du jonglage avec trois pommes, toi. Ah oui, regarde, attends, je sais faire ça. Comme vous pouvez le voir, avant de rouler, on s'occupe quand on peut. Hein. Ah ouais, je te sens serein. Ah ouais. J'ai le pantalon assorti, mon ref. En bas des couches, je regarde les gars derrière. Hey, ils sont vénères dès le matin. Wow. Jusqu'au nombril. Ça fait cirque. Oula. Ah ouais, t'as l'air plus serein que moi quand même. Voilà. Puis après, je peux faire des squats, tu vois. Voilà, on est bien. T'arrives avec 4? Avec 4, non, je sais pas faire. Je passe au milieu. Passe au milieu, vas-y. Tu sais que je sais faire ça avec en faisant du monocycle et tout. Ah ouais? J'ai un passé gros. Pendant que toi tu faisais du Call of Duty, moi je faisais du cirque. Parle-nous de ton passé Call of Duty. Non, mais je sais pas, je joue Diamant Rocket League, c'est nul à ch*** les gars. Allez les amis, faut se motiver quand même. Hein? Pas venu ici pour se toucher la nuit. 10h39. Comme tu peux l'entendre à ma voix, je suis pas encore à fond réveillé, mais on va se réveiller tranquillou sur le bike. Y'a du monde qui est en train de se chauffer. Il fait ultra chaud, c'est une horreur. On va chiller aujourd'hui. Les gars, regardez-moi cette nouveauté. Souvenez-vous, l'an dernier, enfin les précédentes années, on montait par cette grosse pente ultra raide. Fallait porter son vélo, c'était ultra sketch. Petite nouveauté, on passe par là maintenant. C'est trop bien. Déjà, ça fluidifie le truc parce qu'il n'y a qu'une seule queue. Et puis, c'est beaucoup plus safe. Et ça, c'est bien ça. Il fait trop chaud. Écoute, c'est bien, on peut s'essuyer le cul et la sueur avec ça là. In case you shit yourself. C'est bien, s'il n'y a plus de PQ au chiottes, je sais où je peux en choper. Non, non, non. Mec, t'es concentré sur ta vidéo, mais gros, gros, t'as vraiment failli perdre un vélo à 10 000 balles, là. Ouais, y'a des branches qui l'auraient rattrapé, quoi. Gros, j'ai vu ça du coin de l'œil, j'ai fait, wouah. Ouais, gros, suspendu vide. Ah, vous l'avez vu aussi, vous? On a juste vu un vélo suspendu. Ouais. Allez, hop là. Petrocha! Ah! Attends, il est bien? Ouais, c'est bon, il est bien. Ouais, bah sur la dernière. On est sur de la technicité. Première ligne pour toi? Yo! Bien comme ça. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon. Oh ! Oh bah oui ! Ok, let's go. Je
Je me suis fait tromper. Bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, franchement c'était trop cool, je suis désolé, j'ai pas trop filmé. Enfin je verrai ce que ça donne au montage, mais j'étais beaucoup trop concentré sur mon riding, kiffé, passé un bon moment parce que c'était vraiment trop bien. Je suis content, malgré mon poignet qui de temps en temps se bloque et danse la macarena, j'ai quand même pu bien envoyer. Bref, je suis trop content, fin de session, j'ai réussi à mettre un flip condor. Les whips ici, mais génial, putain les gars, j'ai mis des whips. Est-ce que je commencerai pas à avoir un petit peu de flow? J'ai appris un nouveau truc, flip can to knack. C'est une vidéo qui change un peu d'habitude, mais si tu l'as kiffé, bah franchement je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait chez les frères Kaki. N'oubliez pas, on se retrouve le week-end du 14 septembre au VBC Bike Park. Allez, sur ce, bah, grand merci à Olivier Cuvée pour cet événement de malade. Regardez-moi ce spot là, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez quelque chose, il faut que j'achète un grand angle parce que là, vous devez juste voir mes dents.